8 jeunes gens emportés par les flots d'un torrent près de Corté en Corse la nuit dernière. Ils avaient planté leur tente sur les bords du Tavignano lorsque l'orage a éclaté. Le Parti socialiste proposera des mesures pour réduire les inégalités sociales. Il ne pratiquera pas la politique du pire, déclare dans une conférence de presse M. François Mitterrand. Le président de la République à la Sorbonne pour le colloque Biologie et devenir de l'homme. Les problèmes actuels ne se résoudront pas par la puissance économique ou par ses abus. Notre dossier, le deuxième volet d'un reportage sur la situation à Chypre. Ce soir, les villes grecques abandonnées dans le secteur turc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Deux réunions ministérielles importantes se sont tenues ces dernières 48 heures qui n'ont fait l'objet d'aucune communication. Rien n'a filtré, pas plus sur d'éventuelles restrictions du fioul ou de l'essence que sur une réglementation plus sévère des prix et de nouvelles restrictions de crédit pour le mois de décembre. Ce matin, le comité des prix s'est réuni sous la présidence de M. Fourcade, qui devait ensuite tenir une conférence de presse, mais ce n'est que demain qu'un communiqué serait publié. Il pourrait annoncer un certain durcissement envers les industriels dont les produits manufacturés augmenteraient à un rythme anormal. Pour le pétrole, tandis que le président américain et aux Nations Unies plusieurs pays dont la France adressent des avertissements aux pays producteurs, nous attendons chez nous de nouvelles restrictions. Y aura-t-il des tickets d'essence? Va-t-elle augmenter? Comment sera réparti le fioul? Nous saurons peut-être tout cela demain après le Conseil des ministres. Pour M. François Mitterrand, la hausse des prix du pétrole n'est pas la cause unique de la dégradation de la situation internationale et de l'inflation. Et il déplore la tendance accrue de la France à l'égard de l'étranger. Il déplore la dépendance accrue de la France à l'égard de l'étranger. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, tout le système économique est à changer. Et au cours d'une conférence de presse, il a fait cet après-midi un certain nombre de propositions affirmant qu'il ne s'agissait pas de verser dans le catastrophisme ni de pratiquer, a-t-il dit, la politique du pire. Un plan en trois étapes. Première étape, rétablir la confiance et ce pendant le dernier trimestre 1974. Comment? Eh bien d'abord en expliquant la situation économique de la France au cours d'un débat au Parlement. Ensuite en sauvegardant les patrimoines. Pour cela, il faut indexer l'épargne populaire. François Mitterrand propose la création d'un livret C de caisse d'épargne d'un montant maximum de 25 000 francs bloqué sur un an. Enfin, par l'émission d'un emprunt d'État de 20 milliards indexé sur les prix et souscriptible en or. Il faut réduire les injustices sociales en instituant l'échelle mobile des salaires, des pensions, des allocations familiales, en réduisant la TVA sur les produits de première nécessité, enfin en bloquant les prix industriels et les loyers pour 6 mois. Deuxième étape, deuxième objectif, ni inflation ni chômage. Il faut réorganiser le budget, créer un impôt sur les grosses fortunes supérieur à 2 millions de francs et une taxe sur les plus-values qui prendrait effet dès le 1er janvier 1975. Créer un impôt négatif, c'est-à-dire une détaxe fiscale sur les économies d'énergie qu'auraient réalisées les industriels et étudier la mise en œuvre d'un vaste plan d'équipement en transport en commun. Enfin, mettre sur pied une banque de développement industriel afin de financer une véritable politique industrielle. Il faut une politique économique extérieure cohérente. La politique agricole commune doit être totalement refondue. Enfin, il faut émettre des emprunts communautaires pour financer les déficits de paiement des pays les plus touchés. Troisième et dernière étape, planifier le changement. Dès le mois d'octobre, les commissions de préparation du 7e plan doivent se réunir pour réduire les gaspillages, tendre vers l'autonomie du développement et assurer une production plus équitable. S'il n'en voudrait pas à l'actuel gouvernement de prendre à son compte certaines des mesures qu'il préconise, pour François Mitterrand, il n'est pas question, quelles que soient les conditions, de participer à un gouvernement d'union sacrée. Les termes union sacrée ou union nationale ont été souvent employés. Ils font partie du langage politique français. Ils ont rarement recouvert d'autres réalités politiques que l'arrivée de la gauche et des masses populaires au secours de la politique de la droite. Cette signification historique nous met suffisamment en garde pour que je puisse vous dire très paisiblement que si tel devait se poser ce problème, cette solution serait exclue.
Si par contre, et là je m'avance, nous faisons des hypothèses, la gauche était en mesure d'exécuter l'essentiel d'un programme disposant d'un calendrier sous sa responsabilité, alors c'est l'événement qui répondra pour moi. Mais pas plus là que dans d'autres circonstances, la gauche maîtresse de ses choix ne refuserait d'agir. Hommes de science et hommes de culture discuteront en permanence des problèmes du développement scientifique et de ses applications. Ils se réuniront fréquemment en forum sous l'égide d'un mouvement permanent dont ils ont annoncé la création aujourd'hui même à la Sorbonne. Il s'agit du mouvement universel de la responsabilité scientifique dont le président est le recteur Robert Mallet. Un colloque mondial se déroulait à la Sorbonne avec pour thème « Biologie et devenir de l'homme ». Monsieur Valéry Giscard d'Estaing présidait la clôture de ce colloque. Pour le chef de l'État, les problèmes scientifiques, économiques et politiques se posent maintenant à l'échelle planétaire. C'est ce qu'il appelle la mondialisation. Le phénomène de la mondialisation, qui résultera normalement de l'évolution de nos sociétés, se manifeste effectivement. Parce que tout événement qui concerne un homme se répercute désormais à notre époque par toutes sortes de relais sur les autres hommes. Mais il se manifeste d'une façon qui est détestable et qui est la mondialisation de la violence, que ce soit la violence physique ou que ce soit la violence économique. En effet, lorsque le conflit réel entre deux nations du Moyen-Orient amène, par exemple, des citoyens japonais à s'attaquer à l'aéroport de Lod à des pèlerins portoricains, lorsqu'un ambassadeur français est séquestré comme otage aux Pays-Bas par des agresseurs qui vont se réfugier en Syrie, lorsque chaque être humain se sent menacé dans sa vie quotidienne par les péripéties de lutte qu'il ignore complètement ou qui, croit-il, ne le concerne pas, c'est que non seulement la mondialisation est devenue une des réalités quotidiennes, mais c'est qu'elle a commencé par revêtir une forme détestable qui est celle de la violence. Mondialisation de la violence économique ensuite. Nous venons de vivre depuis 15 ans une époque économique que les historiens reconnaissent déjà et que les hommes politiques constateront bientôt comme étant exceptionnelle, par l'ampleur de la croissance et par l'ouverture aux échanges entre les pays qu'elle a permis, non seulement entre les pays industrialisés, non seulement entre les pays occidentaux et les pays de l'Est, non seulement entre les pays riches et les pays défavorisés. Or, nous assistons et nous assisterons à une transformation inquiétante des rapports de compétition économique en rapport de forces économiques. Lorsque j'avais la responsabilité des affaires économiques et financières, j'ai eu l'occasion d'exposer, bien avant la crise pétrolière, lors de la conférence que la CNUSED avait organisée à Santiago du Chili, à quel point il me paraissait dangereux que les problèmes internationaux fussent réglés par la volonté du ou des plus forts, et non en fonction des données objectives. Nombre de ceux qui, à cette époque, se montraient sceptiques, ou qui préféraient d'ailleurs l'état de force existant, ont révisé leur jugement depuis les événements liés à la crise de l'énergie. Et je maintiens que les problèmes économiques actuels, qui, comme il fallait s'y attendre, et comme ils le demeureront, se posent au niveau mondial, ne se résoudront pas durablement par la puissance économique ou par son abus. Nous entendrons demain, dans notre journal de 13h, le recteur Mallet tirer les conclusions de ce colloque, et dans les prochains jours, les professeurs Jean Bernard et Canguelen.
De nouvelles nominations ont été annoncées aujourd'hui concernant les sociétés qui vont succéder à l'actuel ORTF. Monsieur Jean-Louis Guillot devient directeur général de la première chaîne de télévision. Il était directeur de la troisième chaîne et de la régie des stations régionales après avoir été chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République et auparavant rédacteur en chef et sous-directeur de l'actualité télévisée. Sur la première chaîne est également nommé monsieur Georges Rioux en tant que directeur administratif. Il est issu de la carrière préfectorale et occupait déjà des fonctions à l'ORTF. Un directeur de l'information sera nommé ultérieurement pour la première chaîne. Pour la deuxième chaîne, le président Marcel Julien pourrait faire connaître les noms de ses responsables demain. Pour la troisième chaîne, le directeur de la chaîne nationale sera M. Maurice Cazeneuve, ancien producteur et directeur de la deuxième chaîne de 1968 à 1971. M. Claude Lemoine sera le directeur des régions, il appartenait à la maison, tout comme M. Noël Sanviti, qui est nommé directeur administratif et financier de la troisième chaîne, et M. René Han, qui devient directeur des départements et territoires d'outre-mer. Pour le futur Institut de l'audiovisuel, son président, M. Pierre-Emmanuel, a confié le poste de directeur général à M. Michel Roux, maître des requêtes au Conseil d'État et président du Comité national de l'animation audiovisuelle. À la radio, Mme Jacqueline Baudrier, président-directeur général, a nommé M. Gabriel Debreuil, directeur de la Société nationale de radiodiffusion. Michel Péricard, notre rédacteur en chef actuellement, sera le directeur de l'information. Monsieur Yves Jégu, directeur de France Culture. Monsieur Pierre Woslinski, directeur des programmes et des services musicaux. Enfin, monsieur Pierre Vienne, directeur de France Inter. Négociations ouvertes aujourd'hui entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales. Son but, faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Car le chômage touche particulièrement les jeunes. Aujourd'hui, 40% des demandeurs d'emploi sont âgés de moins de 25 ans. Chaque année, 600 000 jeunes environ arrivent sur le marché du travail. Et pour 250 000 d'entre eux, ils n'ont pas de formation professionnelle. Ils arrivent par conséquent sur le marché du travail avec le souci de trouver un emploi et un emploi valable. Et malheureusement, un certain nombre d'entre eux ne trouvent pas d'emploi, ils sont inscrits au chômage. D'autres sont obligés d'accepter un emploi qui ne correspond ni à leur formation, ni à leurs aspirations. Cet après-midi, les négociateurs ont commencé à débattre de deux mesures. Premièrement, la mise sur pied, avec l'aide de l'État, d'un contrat emploi-formation, un contrat concernant les jeunes dans leur premier emploi. À ces jeunes, il garantirait une certaine durée de présence dans l'entreprise et pendant cette période, il leur apporterait des possibilités de formation professionnelle pour accroître leurs qualifications. Deuxièmement, certains jeunes sont contraints d'occuper un premier emploi qu'ils ne souhaitent pas. Alors, pour leur permettre de trouver, en somme, un deuxième meilleur emploi, il pourrait disposer d'une garantie de revenus pendant une certaine période. Nous souhaiterions vivement que la négociation aboutisse dans les tout prochains mois et si possible avant la fin de l'année. Il nous paraît en effet que le problème des jeunes dans leur insertion dans la vie professionnelle est fondamental pour l'économie française. Telles sont les bases de la négociation qui commence aujourd'hui. Elle intéresse directement tous les jeunes à la recherche d'un premier emploi, ainsi que tous les jeunes qui font leur début dans la vie active. Et qu'il s'agisse du gouvernement, du patronat ou des syndicats, tous les partenaires sociaux y attachent la plus grande importance. À partir du 1er octobre, la viande de bœuf ou de veau coûtera à moitié moins cher pour les plus défavorisés, ceux qui sont reconnus comme économiquement faibles. Le ministre de l'Agriculture a annoncé cette décision hier soir dans l'émission Actuel 2. 2,5 millions de personnes environ recevront des bons d'achat à 50%. Les bouchers se feront rembourser la différence par le fonds de solidarité. On ne sait pas encore quelle quantité de viande sera ainsi proposée aux plus défavorisés. C'est une mesure sociale qui doit en outre permettre de diminuer les stocks importants de viande. Le paquebot France a dû reprendre le large et s'éloigner quelque peu du Havre en raison du mauvais temps. Il a mouillé sur la côte est de la presqu'île de Cotentin à l'abri des vents qui soufflent sur la Manche. Si la tempête se calme, il reviendra au Havre, sinon il pourrait rallier Brest.
Le mauvais temps est d'ailleurs général et la nuit dernière, en Corse, un violent orage a provoqué la mort de 8 jeunes gens qui avaient monté leur tente près d'une rivière, le Tavignano. Il s'agit de 5 jeunes hommes et de 3 jeunes femmes. Il y aurait 2 Allemands parmi eux. Ils étaient installés depuis une dizaine de jours à cet endroit avec d'autres jeunes qui sont rescapés. Il y aurait 3 rescapés. Et puis je viens d'apprendre qu'un camping sauvage avait également été emporté par les eaux près de Porto. C'est une information qui nous vient d'Ajaccio. Il faut donc être très prudent si vous plantez votre tente en ce moment. Éloignez-vous des rivières. Un grand historien est mort, nous venons de l'apprendre, Victor Lucien Tapier, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il était âgé de 74 ans. Victor Lucien Tapier était considéré comme l'un des historiens les plus rigoristes et il a permis ainsi de corriger de nombreuses erreurs dans les narrations historiques. Paris. Monsieur Thorn, président du gouvernement du Luxembourg, a rencontré Monsieur Chirac ce matin. Les deux premiers ministres se seraient mis d'accord pour tenter d'établir une politique commune de l'énergie face à la crise actuelle, mais au niveau des 9. Cet après-midi, le président luxembourgeois a été reçu par Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, avec lequel il a évoqué la possibilité d'un sommet européen avant la fin de l'année, à condition bien sûr qu'il soit sérieusement préparé. Proche-Orient. Activité accrue de l'aviation israélienne au Liban à l'approche de la fête du Yom Kippour, qui débute demain soir au coucher du soleil et qui est aussi le premier anniversaire de la guerre qui portait le même nom. L'attaque israélienne, qui a duré environ 15 minutes vers 13h20 cet après-midi, avait pour objectif 3 villages libanais, d'où, selon les renseignements recueillis par les Israéliens, les Palestiniens s'apprêtaient à partir pour opérer les raids en Israël. Tous les appareils israéliens sont rentrés à leur base. Afrique. Installation demain du premier gouvernement provisoire au Mozambique et fête nationale aujourd'hui du tout nouvel État indépendant de la Guinée-Bissau, où tous les pouvoirs ont été transmis aux Guinéens par les Portugais, qui malgré tout conservent momentanément quelques points d'appui pour l'évacuation totale de leurs troupes. Au Mozambique, on craint quelques heurts demain à Beira, où le Frelimo pourrait faire défiler ses hommes en armes, tout en demandant à la population européenne de ne pas déserter en masse le pays. Ces musiciens arrivent à Paris pour un seul concert, ce soir pour la rentrée de l'Opéra de Paris. Ils font partie de l'un des meilleurs orchestres du monde, l'Orchestre Symphonique de Chicago. Ils ont trouvé en George Scholti un chef à leur mesure. Vous savez, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire amour musical, je crois que c'est assez. Fondé par un Allemand en 1891, il y a 83 ans, l'Orchestre Symphonique de Chicago est, avec ses 108 musiciens de provenance différente, son chef d'origine hongroise, le type même de ces ensembles cosmopolites qui font la gloire de la musique américaine. Directeur de l'Orchestre Symphonique de Chicago depuis 5 ans, directeur depuis 3 ans de l'Orchestre de Paris, conseiller musical de l'Opéra de Paris, George Scholti a dû faire un choix et va quitter l'Orchestre de Paris. C'était seulement la question pour moi, la santé. Ce n'est pas possible diriger ou faire responsabilité pour 2 orchestres. Avec le temps, c'était absolument éclatant, clair pour moi, ce n'était pas possible. C'est le seul risque, mais nous sommes très bons amis. Et je quitte avec un peu de tristesse. Quelles sont les qualités de l'Orchestre de Paris comparées avec celles de l'Orchestre de Chicago? Je crois que c'est un vieux orchestre de Chicago, c'est un jeune orchestre. C'est un jeune Beaujolais, c'est un vieux Bordeaux. Je crois que c'est assez en français, n'est-ce pas?
Ce soir, le deuxième volet de ce dossier consacré à l'île de Chypre. La situation est loin d'être réglée, même si cet après-midi, d'importants échanges de prisonniers ont été effectués entre chypriotes grecs et chypriotes turcs. Hier, Jean-François Delassus nous a rappelé les raisons de la crise de Chypre. Ce soir, les villes grecques abandonnées dans le secteur turc. Près de Famagouche, Varosha, un petit rio chypriote grec. En temps normal, la ville serait bondée de touristes. Il y a 5 semaines, l'approche de l'armée turque y a jeté l'épouvante. La ville s'est vidée en quelques heures. C'est une vision hallucinante qu'une ville inanimée, muette, exsangue, hantée par quelques animaux domestiques affamés. À Varosha flottait une odeur de mort, celle des cadavres, des volailles et des oiseaux abandonnés. Les signes du moment de panique de la fuite des Grecs étaient partout visibles. Un compteur électrique coupé à la hâte, une lumière encore allumée, des fenêtres qu'on n'a pas eu le temps de fermer, un repas interrompu, des amendes que quelqu'un décortiquait. Ils ont tous disparu, mais ils semblaient encore là, comme des fantômes. Le silence a figé comme de la glace les joies et les peines qui faisaient leur vie quotidienne. Tandis qu'à Famagouste et dans certains villages grecs bien contrôlés par l'armée turque, les demeures étaient intactes, dans bien d'autres villages abandonnés, toutes les maisons ont été violées par le pillage. Dans un premier temps, ce pillage semble avoir été beaucoup plus le fait d'une razzia des chypriotes turcs des villages avoisinants que des militaires turcs. Les mains avides qui ont saccagé ces intérieurs plus qu'ils ne les ont pillés semblait avoir été animé par une furie vengeresse. Malgré la volonté du commandement militaire turc d'éviter le pillage, la faible surveillance des villes vides n'empêche pas le brigandage individuel. Des pilleurs, en voici, ceux-là ont été arrêtés à la limite du secteur grec. Deux de ces trois prisonniers interrogés par des officiers chypriotes grecs sont des soldats de l'armée turque. Le troisième est un chypriote turc. Ils portaient avec eux, lorsqu'ils ont été arrêtés, la main dans le sac, des vêtements neufs volés dans un magasin, un bracelet, un mini-cassette, de l'argent et des bijoux dérobés dans une maison grecque abandonnée. One necklace of cheap origin. One car that was proved to belong to the Cyprus Republic was kept by the National Guard together with 2 pistols and 2 army knives. And this you give them by for the night. Devant la profanation de l'intimité mobilière de ces milliers de familles, on songe à l'avenir. De retour chez eux, si retour il y a, les Grecs pardonneront-ils l'outrage? Combien de temps faudra-t-il pour que l'oubli efface la rancune? Demain, pour le troisième volet de ce dossier, nous verrons de l'autre côté comment le drame a frappé les ressortissants turcs. 24 heures dernières à 22h22, c'est facile à retenir, ce soir 22h22. En attendant, bonne soirée. Thank you.